Salut Station Fréquence, les bons soirs 13 à vous tous de la part de Daddy33. Donc on est le 12 août 2017 et c'est parti pour le QSO régional du canal 27. Les 73 Michel. Alors, Ludovic a une panne d'alimentation justement sur le web SDR. Et entre déjà ce week-end, il n'était pas forcément dispo. Quand je me suis rendu compte de ça, je lui ai aussitôt envoyé un SMS. Il a été vérifié et il a l'alimentation du web SDR qui a cramé. Donc, à mon avis, il doit essayer d'arranger tout le monde au mieux pour le rétablir, quoi. Les 73 Eric. Ouais, 73 Rémi. Je pense qu'il y a Michel aussi derrière, mais je vous envoie une amitié, 14 Victor sur 27, 14 ouvrières sur 27. Eric aussi de Bordeaux, mais là ce soir je vous entends, mais alors tout petit outil, je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Ok, retour Michel. Pour ma part, ça va impeccable. T'as foutu un peu de suivi un TQRM ? Eh bien là, j'ai quoi ? J'ai un point de QRM. Ouais, si j'ai bien vu, c'est ça. Ouais, c'est tout là. Toi, par rapport à hier soir, ça change. Hein. Ah, je préfère comme ça, c'est clair. Hein. Hey, t'es le QSO qui s'exporte. Ouais, mais Eric, est-ce que tu l'entends? Oui, qu'est-ce que tu l'entends? Je vous entends parler, mais alors je comprends pas ce que vous dites. Que vous, là. Je suis désolé, là, ce soir, je suis pas le curé, mais ça passe pas, je sais pas pourquoi. J'ai trois points, mais là, au niveau radio, je vous entends, on dirait que vous êtes au fond de l'entonnoir. Enclenche ton filtre! Putain, c'est hallucinant ça, pourtant je gueule comme d'habitude dans le micro, hachi. Bon alors, est-ce qu'à tout hasard, nous avons le camping-cariste qui doit être du côté de Libourne que j'ai eu là en débauchant cet après-midi là sur la route? Non, il n'y a rien à Libourne. Si, si, il y a un camping-cariste là qui est en vacances. Là. Il arrive de la Haute-Savoie, je l'ai eu en fréquence de Bordeaux, depuis Bordeaux. Et apparemment il était sur la route là en direction de Libourne. Qu'est-ce qu'il m'a dit, sud Libourne, je sais plus, dans ces coins-là quoi. Le 47.
Oui, j'ai entendu le département 47, les 73 du département 33. Waouh, il y a la propague là qui nous arrive de je sais pas où là, j'ai pas reconnu le pays. Hein. Bon, Delu 33, est-ce que tu es dans le quartier des fois, Hachi? Bon, je réactualise de temps en temps là, son web SDR, mais apparemment il n'a pas encore résolu le problème. Qui ça? J'ai pas compris, Michel. Hervé, ça vous fait Hervé, je me souhaite 026, je crois. Ah oui, j'ai vu ça, oui, oui, affirmatif. Eh bien, je sais, t'as des précisions sur quand il vient? Ah non, je ne sais pas, il m'a dit ce matin, il m'a marqué qu'il pleuvait chez lui, et qu'il allait venir chez nous, mais il me semble qu'il est mardi. Aïe aïe. Ah, le job c'est bien pratique, je crois que ça ne tape pas. Même toi parce qu'ils attendent, mais le problème c'est qu'il arrive pas à émettre. Ça fait un peu loin, sûrement. Mais oui, je ne faisais pas devant 49. Ok, mais t'inquiète pas, on a un chat de dépannage. Hachi, Michel, tu viendrais de temps en temps sur mon forum, là tu verrais que là par exemple avec Eric, on est en même temps là sur le chat là, de mon forum, et il me dit que là mais il va rester pour le moment un peu en écoute car là, ça passe pas de son côté. Et c'est celui que j'ai sur mon forum. Ah ok, c'est vrai, c'est pas ça, j'ai pas fait attention. Pourtant j'y vais faire un peu, j'y suis venu regarder cet après-midi, j'ai vu, je sais pas qui c'est qui avait mis des trucs, mais je sais pas, c'est vrai que, avec tout ce que, où tu vas, oui, mais tu t'es pas connecté là, Michel. Je suis connecté, mais pas sur le SDR pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Non, d'accord. Là, on est en train de faire là une espèce de langage de sourd, à chi trois coups. Moi, je te parle du chat qui est sur mon forum. Voilà. Donc là, on passe là par là, en attendant que Ludovic remette son web SDR avec son chat en route. Ah ben c'est facile, la planète Sibi francophone.
Bon, en attendant que Michel revienne, s'il y a des stations en fréquence pour le QSO national, vu qu'il n'y a pas trop de propagande là à la minute même, on va dire le QSO régional du canal 27 en avant. Alors, est-ce que Michel de Toulouse serait, serait sur, le, sur la région, là, ce soir? Ah non, ça y est, il est rendu. Il a passé le pont de Saint-Nazaire tout à l'heure. Ah, bon, c'est bien dommage qu'hier, on n'ait pas pu l'avoir en fréquence. Et oui, vu l'heure à laquelle il est parti, il fallait s'y attendre qu'il ne soit pas là pour le QSO. Il y avait pas mal de bouchons, c'est qui fait qu'il est passé. Ah oui, t'as quand même réussi à l'avoir en fréquence. Ah, c'est remarque, c'est vrai qu'il y avait une espèce de propague là aujourd'hui, cet après-midi, puisque je vois, moi, quand je suis sorti du pro, ben là, je suis sorti à 17h là aujourd'hui, tu vois, j'étais prévu jusqu'à 19h. Bon, à 17h, j'ai débauché, j'attrape le pont d'Aquitaine, j'étais sur le 19, je passe mon petit message habituel là sur le 19. Et bien justement, il y a le camping-cariste en question là, de la Haute-Savoie là, qui est sur la région, là qui doit être là sur le côté là, du côté de Libourne, là, qui m'a accompagné là, en QSO. Et en même temps, je me suis fait entendre là où il y a eu la barrière de la langue qui a fait la différence. J'ai eu l'Italie et la Croatie. Voilà, mais toujours sur le 19 en AM. Comme quoi la propague était vraiment bonne, quoi. Et en BLU, c'est pareil, ça passait bien, puisque Eric, là, qui est derrière, tout à l'heure, en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, il a fait un maritime mobile qui était au large de la Turquie. J'ai entendu une YL qui était... Eh ben ça y est, j'ai bouffé. Une carte. En Autriche, oui, voilà. Ouais, qui était en Autriche. J'ai entendu l'Amérique du Sud. Ah, ça passait vraiment bien. Hein. Ah ben bien sûr, on peut pas être partout non plus. Hein. Ben tu m'étonnes, ça serait trop beau, quoi. Oui, comme ça. Honnêtement, Michel, si on était partout, la radio deviendrait plus aussi intéressante. Hein, parce que là, pour le coup, ça deviendrait trop facile. Apparemment, sur le 555, je ne sais pas pour nous, mais sur la Côte d'Azur, il y a d'y avoir de la propague, puisque faute d'avoir le web SDR là, de Bordeaux,
Là, je me suis repenché sur le web SDR là, de Arles, département 30. Et, attends, zut, est-ce que j'étais en train de faire un truc, tu dis? Tu disais que t'as pas fou quand même, j'entends pas vraiment de mon côté. Ben oui, y a que nous, là, c'est tout, là. Ouais, ben c'est pareil, je m'attendais à avoir d'autres stations. Peut-être que qu'il y a la Propag, là, qui est la plus haut. Du côté de la Côte d'Azur, je vois que ça passe. Alors je sais pas, c'est peut-être ça qui envoie les gens plutôt du côté de la Propag, sans doute. Et puis aussi, hein, c'est les vacances aussi. Hein, on est en plein week-end, c'est les vacances. Donc il y a tout ça aussi. Hein. Ouais, on va dire ça comme ça. Ah si, ça joue aussi. Hein. Tout le monde n'est pas équipé en mobile hein, au niveau des stations fixes, hein, loin de là. Hein. Ah ben tu m'étonnes. Aujourd'hui j'avais deux ouvriers à surveiller. J'étais prévu jusqu'à 19h. 13h30, ils se sont barrés. J'ai attendu jusqu'à 17h et puis j'ai débouché à mon tour. Donc autant dire que ça a été une journée tranquille. Ouais, ok. Bon. Je salue à Michel, je sais pas si m'entend, moi je l'entends parler, mais alors, quand tu parlais tout à l'heure, mais alors, elle est déchiffrable. Et ton filtre? Oui, t'entends, hein. Ah ben, je l'entends, oui, moi il m'entend, et lui il m'entend pas, mais moi je l'entends, hein. Bon, là, je t'ai entendu, oui. Ah, tant mieux, parce que là, je me demandais ce qui est arrivé. Par contre, sur... Ah, tu m'étonnes, que dalle. Ouais, ouais, j'ai essayé pour voir, que dalle. Par contre, lui, il y a du monde là-bas, ça fonctionne. Ouais, bah oui, je vois ça, bah oui, et puis... ouais, non, mais de toute façon, oui, j'ai vu tout à l'heure... Ouais, tiens, voilà, là, je vois, il y a un appel sur le 555. Ouais, en plus, ouais, c'est un coup de propag, d'après ce que j'entends, là. Ouais, non, puis là, il est bien placé, hein, il est au bord de l'eau, hein, pratiquement. Hein. Ouais, et puis aussi, faute d'avoir le web SDR de Bordeaux, et il se repenche sur celui-ci, bon, c'est normal. Hein. Ouais, bah, de toute façon, honnêtement, moi c'est pareil. Hein. Demain matin, ça va être 4h30 debout. Donc je ne vais pas me faire beaucoup plus long non plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on s'est parlé cet après-midi. On a fait déjà un petit QSO cet après-midi. Bon, ce soir, bah, effectivement, c'est calme.
les gens doivent profiter de la propague, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc moi c'est pareil, hein. J'ai en profité aussi pour passer QRT. Donc, zut, je m'étrangle. Les bonnes soirées 1351 à tous, ainsi qu'aux écouteurs. Et demain, pour moi, c'est le pro. Donc, à la prochaine. Ok, allez, bye-bye. Salut à la petite famille. Salut, le fond de contrôle. À bientôt. Ok, merci, bye-bye. Merci, bye-bye. De mon côté, évidemment. Mais bon, il y a pire. AFM. La
passion de faire du DX, forcément, ils auront peut-être de quoi faire avant la fin de l'année. Après, bon, ça risque de tomber, ça tombera pas, on verra bien. Hein. À toi, Pierrot, avant de t'endormir.